Alors, en rangeant, j'ai trouvé plein de chutes suite à des panneaux en frêne. Et le frêne est un bois dur, donc ça va faire des planches à découper en bois debout. Voilà. Donc, j'ai préparé un chariot de coupe. Ici, j'ai maintenu une butée. Donc ça sera une butée de longueur, donc je vais avoir 5 cm à chaque fois. Et là, je vais amener les pièces. Et pour pas couper les doigts, je maintiens ma pièce comme ceci. Je coupe, je desserre, j'avance en butée. Et je coupe. Ça va être un petit peu lent, mais l'avantage c'est que normalement je ne devrais pas perdre de doigts. Donc voilà, j'ai fait tous mes morceaux. Cette solution, donc du coup, pour tester de récupérer les chutes. Je prépare le collage. Donc je vais utiliser de la gébérite que j'ai achetée. C'est de la colle PU, donc qui résiste bien à l'eau. Parce que les planches à découper, comme on y coupe les aliments, il vaut mieux que ça résiste à l'eau. Après, concernant les propriétés alimentaires, les restes de colle sont infimes vu la pression que je vais exercer en collage. Après, l'idéal, si vous voulez vraiment avoir une normalisation alimentaire, c'est d'utiliser de la colle vinylique qui, elle, ne pose pas de problème. Donc voilà, le collage est réalisé, la mousse commence à sortir, donc la colle PU commence à agir. Il faudra laisser sur presse au moins une demi-heure, mais moi je préfère laisser plusieurs heures. Donc on décoffrera ça ce soir ou demain matin. Donc voilà, j'ai mis la planche à découper, donc qui est complètement irrégulière, coincée entre deux serre-joints latéraux qui va maintenir la planche à découper, et j'ai mis ça entre deux tasseaux pour laisser le dégagement pour la fraise. Les tasseaux ici sont à ras du niveau le plus bas que j'ai constaté. Ici, j'ai mis deux gros tasseaux qui sont exactement de la même épaisseur et qui sont décalés du coup pour que la fraise puisse passer sans les endommager. Ensuite, j'ai fabriqué un petit gabarit, donc rien de bien compliqué, du mélaminé de récupération avec deux côtés. Cet espace correspond à la semelle de la défonceuse et ici, j'ai fait une lumière pour faire passer la fraise. La fraise que j'ai montée, c'est une fraise donc que j'ai achetée. C'est une fraise, donc je vous mets la référence que s'il y en a qui veulent l'utiliser. C'est une fraise CMT qui est spécialement faite pour surfacer. Elle a un diamètre 60. Donc avant de démarrer la défonceuse, il faut se référer donc à la documentation technique. Bois dur, parce que c'est du frêne. 40 à 60, c'est entre 3 et 1. Donc moi je vais commencer par une vitesse de 1. On va voir ce que ça donne et s'il faut, on montera un petit peu. Mais il faut savoir que moi c'est la OF 1400. Et donc du coup, c'est les capacités vraiment maximales de la machine. Il faudrait une OF 2200, donc 2200 watts pour ce type de fraise. Donc je vais y aller vraiment doucement. Moi, je le fais occasionnellement. Si vous devez rectifier souvent des planches ou des tables à résine, achetez une défonceuse beaucoup plus grosse. Je vais régler la vitesse sur 1 pour ne pas endommager la défonceuse. La profondeur, donc je viens en buter sur la pièce la plus haute, qui est celle-ci. J'ai mis à régler. Hop. On peut reprendre un petit assaut. Donc la pièce la plus haute, c'est celle-là. Donc je me mets sur celle-là et je vais enlever 1 mm. On ne va pas faire des passes plus importantes, c'est du bois dur et en plus c'est du bois debout.
C'est pas du bois de fil, donc du coup, ça fait beaucoup plus forcer la défonceuse. Donc on va y aller doucement, plutôt que d'endommager le matériel. Donc voilà, le surfaçage est fini, l'état de surface est parfait, donc la fraise fonctionne très bien.